Bonjour et bonsoir à tout le monde qui a regardé vidéo ça. C'est frère aux amis Holgens et que n'a préparé vidéo ça spécialement pour un monde et que qui trouve les États-Unis mais qui est en difficulté pour et disons faire rappeler en forme et vise à parler dans le programme de Biden. Donc d'abord nous allons aller sur Google, barre de search, on tape USCIS. On donne par être là, .gov.chn. Là, travail. Automatiquement le travail, quand il y a marqué Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans and Venezuelans, vous cliquez là. Mais n'oublie pas, ou de getan gen un compte Gmail déjà qui en fonction. Ou un compte email qui en fonction parce que là, pour aller vraiment de pour créer un compte là, c'est soulé pour créer. Donc, formulaire là, c'est formulaire I-134A. Vous cliquez sur lui là. Vous finissez cliquer sur lui. Et puis, vous dites que pour Ukrainiens, pour Cubains, Nicaraguayens, Vénézuéliens ou membres de leur famille. Donc, au capable de dire que vous devez être situé aux États-Unis pour déposer le formulaire. Les bénéficiaires ne peuvent pas remplir les formulaires I-134A en leur propre nom. D'accord? Ils disent que les gens qui supportent à doivent remplir le formulaire I-134A séparé pour chaque bénéficiaire, chaque grand monde, que les accepter pour soutenir et ni tout anti-monde qui mineur au moins de 18 ans. Faut les remplir en forme. Donc, vous allez cliquer là, côté qui marque Cubain. Haïtien, Nicaraguayen, Vénézuélien. La travail. Automatiquement, on arrive là. La travail. Le film ne voit pas ça. On va descendre en bas. On va afficher le banon. On va cliquer sur le lien pour afficher le banon. Visa humanitaire. Faut que j'aie un côté marqué mettre en ligne. Et à quoi j'aime Banoun, parce que c'est en ligne, nous besoin aller. On clique dans le formulaire. On clique dans le formulaire. Bon, je vais ça. Ou dit déposer en ligne. On descend en bas ou avancer, ou dit déposer en ligne. Là maintenant, on demande de prendre un email, un password, mais puisqu'on fait qu'à monter sur le aller, ou cliquer sur créer un compte. L'arrivée là, ou créer un compte. Donc, on y a maintenant, on va commencer par créer un compte là. Ou entrer en adresse courriel que ou y a qui en service. Par exemple, on qui dit Nadège. D'or, Nadège d'or, 70 à commercial gmail.com. Donc, ça, c'est un gain qui existait déjà. Je m'a demandé pour me confirmer, là, comme dit Nadège d'or, 70 à commercial gmail.com. Gmail.com. Ça, c'est une vérification à faire pour ne pas troubler de email. Moi, je regarde encore. C'est OK. Ouais, mais t'as fait un erreur. C'est pas Nadège d'or. Non, c'est d'or Nadège. Ouais, 70. C'est pour ça qu'il faut confirmer exactement ce à faire. C'est pas Nadège d'or. C'est plutôt d'or Nadège. C'est senti, me troublé de ça, me senti ça monter à ce pas ça lié. Donc, raison fait, moi tout effacer li, pas mal vérifier avant, pour me capable de faire li. Donc, c'est d'or Nadège. C'est d'or avant, et puis Nadège. 70 à commercial gmail.com. Là, je fais une baille et puis il me dit s'inscrire. Yo dim, EUCIS,
Un email de confirmation de compte USCIS a été envoyé donnant des 70 à commercial gmail.com. Veuillez suivre les instructions de l'email. Instructions envoyées pour confirmer votre demande de compte USCIS. Si vous ne recevez pas l'email de confirmation dans les 10 prochaines minutes, veuillez revenir sur une page et demander à nouveau vos instructions de confirmation. Si ça t'arrive, il pas marcher rapide. OK? Donc, si email confirmation, si vous avez un email de confirmation bah, dans la boîte, et dans la boîte email qui marque donna@gmail.com, non, il dit pour suivre l'instruction email là pour confirmer demande compte USCIS. Si vous pas recevoir un email de confirmation dans 10 prochaines minutes cabine là yo, eh bien vous recommencez encore revenir sur cette page et demander à nouveau vos instructions de confirmation. Vous pouvez faire encore. Maintenant, pendant fin créer compte ça là, yo mando li là avant ou entrer. Oublier nous tap faire li en nous vérifier kounya ce message a pas commenté sous dans 10 minutes yo di nous disons après c'est en 10 minutes là n'a pas 10 minutes là mais Donadej message a pas commenté s'il démonter là dis ça non. OK mais on est envoyé Maya OK pas faire Maya account email confirmation instruction. Donc continue, Wally. Wally, my account USAS DH.gov. You will bow. To continue creating your USAS account, you must your email address to confirm your email address. Please click the on the link below or copy and paste the entry link to Entrepriser. So I'll copy a link là. Ou Entrepriser là, par exemple sur Google comme défait là, ou bien cliquer sur le link là. Donc on pas besoin tout bail ça. Please not the disconfirmation link expire in 24 hours. Si vous quittez 24 heures passé, il pas bas encore. Nous cliquer sur le link là en bleu là. Nous cliquer sur le link là. Voilà. Dans la mouille là, c'est en dans l'un qui vous voyez bon moi mieux qu'on y a là. On y a là, le bon message ça yo. Vous voyez, de créer. Ça c'est message yo bon moi qui dit que migration online et une migration système. Ça c'est dans l'un qui vous voyez bon moi. Hein? De créer la loi gouvernement. On tout ça où de tout bas et net là on a 40 holder ça c'est dans boîte là ouvrir là encore agré donc faut moi agré là me dit agré voilà automatiquement me dit agré il a demandé pour me créer password là oui il y a me de créer un password à London il y a password moi créer faut me password que m'a kembe par exemple daddy door Nadej Gentea, well, you get on the password good. Really? Make it down, Nadej. You get on the good. If you want me to 1975. Boom, good net. La, you dim great. Ça, c'est excellent. Ma pour écrit là, dollar me font grande. O R T N A D E G E. Down, Nadej. 1975. OK, là me fini là et puis me dit pour me soumettre les bail, me soumettre les. Je dis your email address has been success confirmed. Donc adresse que me créa succès. OK. Donc ça dit email address moyen has been successfully confirmed. Two step verification méthode. Kounya deuxième étape pour vérification méthode. Every time you log in, you will be given a verification code. What is your preferred method to receive your verification code? Par qui méthode moi voulez recevoir et code de vérification pour m'assurer que demandez me use an authentication Apple. Est-ce que vous voulez utiliser l'authentification Apple ou donc SMS text? Si c'est un SMS text par mobile, on a demandé pour m'entrer numéro de téléphone moi. On va regarder
pour entrer numéro téléphone pour me bailler texte et pour me rentrer numéro téléphone il y a un texte pour moi ou bien puis sur email moi ouvre me dit pas email me dit pas email et puis me soumettre li bail parce que même email là tout ouvert m'a joindre ou on va le un code de vérification pour moi pas email le dit secure vérification code donc c'est là on va l'entrer code de confirmation hein? Mais pour me joindre je suppose tourner dans boîte email moi encore pour me faire un code de confirmation là me tourner dans boîte email moi hein? Ma fonte si bac parce que m'te ouvrir link là pour m'kawe ki nouveau message qui vient joindre moi pour code de vérification et pas commenter n'attendre quelques minutes pour que le capable monter voilà pendant m'a parler aller monter ma 40 secure de deuxième étape vérification wali deuxième étape vérification yo dit comme ça que mais ça pour mais yo ban mon code les dit please enter the secure vérification code mais code là c'est 2238 3648 2238 3646 2238 3646 22 montre la cunya c'est 2238 c'est ça le on me regarde encore on va faire c'est 2238 3646 voilà 2238 3646 et puis là me fini me soumettre les bail me soumettre. Deuxième étape la faite. Les im tout step vérification successful encore pour deuxième étape. Tout step vérification backup code. If you lose access to your authentication device, you get a new mobile device or change your phone number. Il y a téléphone number là, on va le besoin gagner. You can use this backup code to log into your ECSAS account. If you change and confirm a new two-step verification method preference, your old code will no longer work. Please print or save a copy of this code and store it somewhere safe so that you are not locked out of your account. This is moins doué. Fais ça sorti. Code ça, son code qui est important. On va le montrer nous. Laisse la main qui sont fait premièrement ou font screenshot sur lui pour pas perdre du code là. Clap. Ou après, on screenshot qui fait là. Automatiquement, fin fait screenshot là. C'est-à-dire, ça, son premier bagage, il comme si dans la galerie téléphone pour pas perdre. Je vais dire exporter as PDF. C'est-à-dire, je vais faire sortir en PDF pour me gagner. Ça, c'est ça. Parce que je vais dire code ça, il est très important. Your backup code is 6 C 9 D 2 4 3 4 D 4. Donc ça veut dire la me fin joindre comme ça puis je me mettre en fait ça c'est procédure et m'a continuer sur pour procédure là même besoin faire ça sortir en PDF d'abord. Si par exemple d'accord que sur le moi pas marcher moi cliquer sur le deuxième fois m'a exporter donc export veut dire exporter faire sortir. Cousin Mais on va aller machine non? Qui bon là? C'est dans Carrefour, dans Carrefour. Ma voix ici avec mon vendeur Kounia. Mettre camper en bas lumière dans Carrefour. Ma gain ça les Kounia. Monsieur a un maillot bleu. Tout sont clair dans ceinture pour elle. On va m'a fait là, leur vienne m'a faire elle tout, il bien important. Allez ma gain, c'est même ça vienne nous. Un maillot bleu, un bout de pantalon. Jeans. D'accord. OK. Alors, excusez-moi, équipe là, si nous t'avons, il faut parler sur le balado. Ça veut dire, et je vais exporter là en PDF, et si je ne fais pas le faire, je vais le faire pour ne pas perdre. Ok. Donc, comme je vais un lien pour code là, pas un problème. Je dis procédure. Proceed, bon, nous connaissons bien. Donc, c'est procédure. Please set up your security. Question to continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez à la question ça yo. Ouais, tout ça yo, c'est pas yo a bien besoin. Faut faire pile prudence. Donc c'est serviteur nous, organes qui fait pour nous pour tout le monde qui est pas capable. Donc il dit provide password, reset and enter. Question 1. Réponse, question 2, réponse. Question 3, réponse, question 4, réponse, question 5, réponse. Ça veut dire yo pose 5 questions. Yo fait le comme ça, yo dit son moyen sous ta perdu password là. Pour qu'il reset avec à partir de réponse à auquel tu es là. Première question yo poser ou ka choisir question vous voulez. Donc et
Première question dit, what is let's name your of your favorite childhood teacher? Comment qui prénom professeur anglais là? Donc for Bailey, on façon pour pas oublier, par exemple moi-même m'a répondre selon moi-même m'a répondre capable toujours dire Olgens. Pour pas oublier, m'a toujours songer c'est non pas que me te mettre. Deuxième question, il dit in what city town did you meet your épouse? Dans qui city? Donc épouse ou moun ou épousé a yé. Dans réponse là, m'a mettre Floride parce que état Floride là me gagne moun moi qui là pour me pas oublier. Bon, m'te ka prendre Floride, m'te ka prendre Delaware. OK. M'te ka prendre Delaware même prendre Floride. D'accord? M'prend Floride. Troisième question dit what is the name of the company of your first paid job? Qui non compagnie ou tes premier travail là? Et m capable prendre yon que me songer, moi mettre oxygène. Oxygène ça yo c'est question que yo est qui très important. Quatrième question dit what was the first team sport you played? Qui non équipe première équipe que ou jouer déjà? Moi-même n'a pas m'a mettre c'est fanatique tempête mieux m'a mettre tempête. Donc nous comprenons bien tempête ça son équipe que m'baille. Donc m'ba pas mettre accent parce que en anglais yo pas utiliser accent en anglais. Cinquième question pour finir, yo dit what is the first city you visit with your parents? Qui premier city que parents te fait visite déjà? M'a répondre là dans cinquième question ça m'ka choisi pour me répondre encore. Si m'te prend Floride, bon m'ka toujours prend New Jersey, d'accord? Bon par exemple m'prend Delaware. Moi prend Delaware, d'accord? M'prend Delaware. Et puis là m'finio dit pour me soumettre. Zanmi myo, supporter yo, tant pis vidéo ça que m'a voyé ban nou là, la pitil n'importe moun qui vle fil, qui vle et qui l'autre bo, c'est un moun wal joine qui pour et rempli forme nan pour qui pour alors second famille on yes ou on neveu on petit ou on pas connaît n'importe moun nos amis on cousin on que ou vle et appliquer pour le programme nan vidéo ça Jean Wembao là de commencement jusqu'à la fin ou capable appliquer pour lui sans problème. Donc l'aime fin soumettre li bay tande ça ou dit yo dit you have successfully create your secret question. Donc me fait succès avec 5 questions secrets yo. Maintenant yo dit welcome to your ICS account. Bienvenue dans account ICS. Au soleil là, une noise. ICS. Editing your profile include making change to your email, password, phone number, security question or the two-step verification method and backup code. Ou ka toujours faire modification dans ça yo comme dans profil yo tant que changer email là si vous voulez changer password là numéro téléphone là question secret yo ou ka toujours changer yo là dans même code yo ba ou ka changer. Deuxième ba yo di login to a USCIS service apply from immigration benefit fin tools and resources to assist and preparation for naturalization and search to doctor in your local community. OK. First, premièrement, sub-manage and receive Freedom of Information Act of Request. My et vérifie. Confirm to record the employment eligible. Donc, tout ça, c'est ça, Romando. Donc, not sure what service you need start at USCIS.gov. Donc, ça veut dire, tout ça, là, à 40 ou, souvelé, par exemple, ou ta avlé, dimi et font modification là dans modifier quelconque ou bien tout ça yo yes yes ouais tout ça c'est ça yo là. Maintenant ou maintenant à partir que rivé là et bien mes questions yo kounya yo dit premièrement m'te dit si m'a ay internet moi tombé m'a font retourner faire plan m'a font retourner internet moi tombé, internet tombé, moi vend dans bagarre là, seconde modification que vous voulez faire. Mais malheureusement internet. OK, bienvenue. Bien bon retour. Voilà, les premier email.
Je vais mettre email ça, donna-des-70-50-gmail.com, qu'à édite-le. Je vais cliquer sur édite. Recovery email encore, si j'ai l'autre email comme recovery, par exemple, je vais rentrer là. Si j'ai changé password là, je vais changer password là. Ça, c'est ça, je vais faire sortir là. Et puis, il dit tout, et primary email, donc, pour deuxième email là, je vais faire, je vais rentrer au téléphone, comme pas de balle, elle dit non. Recovery email, je vais mettre encore, elle dit non, ça, c'est pas bien. Et m'ka fait edit tout, modifier question secret yo. Barcode là encore, yote bon mwen m'ka modifier le. Puisque m'pa gagne, si m'a modifié yon la modifier, mais si m'pa modifier m'di down, editing my account. Donc m'di c'est fini, non, modification m'tap fait yo. Maintenant, il dit login to USAS service. M'ka clique là encore, si m'gon service pour service USAS là. Là encore, il dit ma account type, mes type là. Select account type. Ham and applicant. Pétionnaire et requestor. Donc ça yo, m'ka choisi ça pour me dire que moi seron applicant. OK? Aussi non pour programme IT-134 là, am légal représentatif. Oui, moi légal et pour me représenter. Mande m'capable faire ça, m'checker et puis me soumettre li bay. C'est soit m'prend ça ou bien m'prend ça. Donc est-ce que m'son applicant ou bien moins légal, vous comprenez? Donc puisque c'est une question forme I-134 là, me prend l'air et puis me soumettre les bails. Donc et que si vous avez un problème, vous pouvez toujours aller nous dans le numéro ça qui c'est 33 24 87 16. Donc vous avez nous par WhatsApp sous ta gon bagaille que vous pas comprendre nous ta même et faire programme dans pendant États-Unis dans n'importe state tout ta même faire ou capable reler moi et puis m'a voyer vidéo à pour vous. Donc, ou ap kapab fè n'importe sa vle. La, li zim, add a case to your, men bagala. Add a case to your account. Enter your online access code to an aid manager. Donc, la, yo zim, congratulations, you have success. Ah, nou sa? Congratulations, you have successfully created an account you like to participate and brief customer. Satisfaction, survey to let use now how. We can improve your experience. Okay? Yes, I give feedback. Yes. Yes, I give feedback. Donc là, ou gen tout bagay yo nan mon net là. Et puis à partir de là, on va rentrer information. Ça c'est premier case là. Donc, ça c'est premier case là. Par exemple, on moun wap bay pou li, et bien ça c'est mon côté ou que ou capable montrer ou confirmer que mais ça ou fait, mais ça ou fait. Donc là, li mando, il a recevoir le numéro là. Donc et pour additionner numéro number là qui c'est numéro yote ba wa exemple code yote ba ou m'te di m'a fait sortir en PDF là c'est faut rentrer là et puis pour adi pour baili à partir de là qu'on y a ou rentrer et puis pour remplir pour n'importe monde. Donc ça c'était processus là et c'était étape ça on t'a passé avec vous. Donc tout ça yo c'est addition key sur your account et yes et deuxièmement file et form online donc et pour entrer forme dans online deuxièmement inter representative passcode encore mando verify your identity donc ensure question about your immigration il sort to verify your personal identity donc tout ça c'est eux même là donc on dans système là à partir de là qu'on a seulement besoin information mon nom première page passeport li pour entrer donner au poli. Et c'est consulté, c'est un plaisir pour me montrer pour les gens qui, peut-être États-Unis, qui voulaient appliquer pour une famille, mais qui ne sont pas les gens qui ont besoin de parole. Mais dès que vous regardez la vidéo, vous êtes capable de faire tout le bagage sans problème. C'était un ami, un frère Wolgens. N'oubliez pas le numéro, c'est 33 24 87 16. Et l'email, c'est olgensarthur007@gmail.com ou ka écrim par email tout ou ka écrim ou ka joindre moi tout sur YouTube ou ka joindre moi sur Facebook donc tout ça c'est moyen pour joindre moi et que ou ka poser n'importe question que ou besoin n'importe côté dans n'importe site dans États-Unis donc on prêt pour m'aider ou on prêt pour m'aider Olgens c'est OLGUENS Arthur là c'est ARTHUR007@gmail.com c'est un plaisir merci beaucoup